Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 3 sur Anno 2070. La dernière fois on avait eu des petits bugs, c'est moi qui avais rien compris. Et du coup je me suis retrouvé à être complètement bloqué pour donner des outils pour le barrage, pour la reconstruction du barrage. J'ai regardé un peu sur internet et au final il s'avère que c'était quelque chose de très simple, enfin je crois. Je vais essayer maintenant avec vous et on va voir si ça marche ou pas tout simplement. C'est parti. Alors en fait apparemment, enfin, il est où mon bateau là? Il y a mon bateau là. Et là j'ai des outils, donc 24, 26 maintenant. Et en fait il faut que je les prenne comme ça et que je les mette sur le bateau. Mais en fait j'avais pas compris qu'il fallait que je passe comme ça. Je croyais qu'il fallait que je passe par genre d'autres moyens, genre comme ça. Mais au final, il suffit juste que je fasse comme ça. Enfin, c'est ce que j'ai vu sur la vidéo en tout cas. Hop. Voilà. Et là il y en a 27 du coup dans le bateau. Et voilà, c'était tout con. Alors j'espère que ça a marché. Si ça marche pas, eh bien je ferai une pause et je regarderai s'il n'y a pas un autre moyen. Tout simplement. Hop hop hop, seconde. Voilà. Alors mon gars, est-ce que tu vas fonctionner ou pas? Des outils? Oui. Ok, c'est bon. C'est juste que je les glisse dedans. Admirable pour la compagnie. Bravo. Merci. I'm the best. Pendant que Strindberg se confond en excuses et en accusations, vous réagissez et gardez la tête froide. Global Trust s'en souviendra. Cool. Oui, parce que l'autre c'était vraiment un abruti de première. Alors, si lui il peut virer et que moi je peux prendre sa place, c'est ça me va. Hein, pas... C'est lui qui a mal installé les turbines. Mais ouais, c'est vous ça qui m'avez envoyé ce débutant. C'est ça, ouais. Cherche des excuses là. Je pense qu'il a compris, hein, que t'es un abruti. Je suis au courant de tout, Strindberg. Cela relevait de votre responsabilité. Le conseil va exiger votre transfert. Heureusement, cool. J'ai déjà quelqu'un pour diriger le site 13. Bon, ben voilà. J'ai sauvé la situation. I'm the best. Relevé de mes fonctions pour une faute, une seule faute. Quelle humiliation. Mais je sais qui est derrière tout ça. Et je me vengerai. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il va me revenir sur la gueule à un moment donné, mais pour l'instant, en tout cas... C'est cool, bah du coup j'ai réussi, voilà, excellent. Il me manquait juste ça pour gagner, quoi. C'est grosse merde. Bon, très bien. Parfait. Eh ben écoute, je vais du coup... 54 minutes, ouais, pour cette mission, finalement. En tout. Même si j'ai coupé quelques passages la dernière fois dans la vidéo, je crois. Très bien, et eh ben écoutez, on va revenir aux missions et on va faire la suivante. Ouais, parfait. Vous avez pris la suite du site 13, mais la malchance continue. Ah bah merde. Qu'est-ce qui se passe? La compagnie cherche une personne digne de confiance pour régler cette affaire en toute discrétion. Thor Strindberg va être transféré suite à son manque de professionnalisme. Enfin, c'était une bourre, le mec il dit ouais, j'ai fait qu'une bourre. Ouais, ça, t'as inondé une ville quoi, avec une bourre. De moment, c'était des conneries. Mais auparavant, il va devoir. Voir comment vous transférez la gestion du site 13. Étonnant que M. Stinberg souhaite vous faire porter le chapeau. Nous réglerons ça plus tard, car de nouveaux problèmes sont apparus au niveau du barrage du site 13. Mais que se passe-t-il? Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que par hasard il aurait mis le feu au pétrolier? Mayday! Mayday! Plateforme pétrolière, répondez! Impossible de bouger! Je répète, impossible de bouger! Excusez-moi. Mon Dieu, une collision. Le pétrolier a foncé droit sur la plateforme. What the fuck? Le pétrole se déverse dans la mer et on ne peut absolument rien faire. Absolument rien faire. Sérieux? SOS, ici le capitaine du pétrolier. On a des rescapés à bord. Envoyez-nous une équipe de sauvetage. Ok, faire ça. Vous sauvez les gens, vite, vite. Non, les commandes de la situation. Mission 3, mer noire. Très bien. C'est moi, je vais gérer ça.
D'abord le site 13, maintenant la plateforme pétrolière. C'est encore Thorn. On a intercepté un signal radio en provenance du pétrolier en difficulté. Oh là là, la situation est critique. Faites quelque chose. Vite, prouvez-moi que j'ai eu raison de vous faire confiance. T'inquiète, mec. Alors, il faut livrer ceci au capitaine Lester pour réparer les canaux. 10 modules de construction. Qu'est-ce qu'il veut, lui ? Pourquoi il y a un truc au-dessus de lui, comme ça ? Mais c'est vrai que j'avais fait un peu... Ah non, c'est à cause de la marée noire. Forcément. Alors du coup, on va mettre des outils là-dedans. Hop. Parfait. La compagnie attend des résultats. Et 10 modules de construction. La compagnie attend des résultats. Hop. Parfait. T'inquiète, mec. J'arrive. Je vais sauver la situation. Comme toujours. Que je suis le héros de ce jeu. Est-ce que vous avez réussi à régler mon problème ? Ok. Je n'en attendais pas moins de vous. T'inquiète, mec. Goulot d'étranglement du ravitaillement en nourriture. C'est baisse vrai, de regarde. La satisfaction. Marée noire, là, qui s'est contact avec sur la population recommandée. Suite au mécontentement qui en. Bah merde, je peux pas dire. Terriblement poisseux. Repérer les conséquences de la marée noire sur la production de la nourriture. Sélectionner notre peau en surveillance. Ça doit être celui-là. J'ai pas vu ce qu'il y a. En surveillance pour entrer en contact avec le résident. Oui, mais c'est ça, non ? Ah non. Normalement, j'aurais dû manger du délicieux poisson aujourd'hui. Il n'y en a plus depuis cette marée noire. Bah ouais, tu m'étonnes. Je pense qu'il nous faut plus de pêcheries. Plus de pêcheries ? Tu veux dire qu'on fait des pêcheries de l'autre côté, c'est ça ? Ah, c'est le prix. Ok. Je peux changer, là, c'est sympa ça. Sur l'île technotique, il y a pêcherie. Une sur trois. Ouais, okay, je vais construire des petites pêcheries là, tranquillou. Alors, c'est où déjà ? C'est là, je crois. Ah, je peux pas en mettre là. Mais là, il y a des marées noires partout. Je peux pas en mettre là. C'est pas débile. La marée noire s'est étendue jusque là. Faudrait que je puisse atteindre cette côte là. J'imagine. Ou là, peut-être. Peut-être que là, je peux en mettre. Ah non, pas là non plus. Est-ce que je vais devoir construire, du coup, autre chose, là ? C'est quoi, ça, déjà ? Technotica. Technonica. Pourquoi pas ? Marchandises, objets, commerce. Non, c'est pas là, hein. C'est pas là. Alors, comment je vais faire pour construire ça ? Là, c'est une pêcherie... Quartier d'ouvriers, centre-ville. Non, c'est pas un centre-ville qu'il me faut. Peut-être ça. Non, ça c'est le centre-ville, donc je l'ai dit. Ça c'est des maisons, ça c'est un casino. Pêcherie, module de construction. Non, c'est pas ça, c'est pas là. Peut-être ça, un dépôt. Ouais, ça doit être ça, je pense. Non, attends. Non, c'est pas ça. Ça c'est quoi ? Infrastructure route. Ouais, ok. Non, mais c'est pas un dépôt, je pense. À moins que. Si je m'en fais un là, tu crois que je peux construire une pêcherie du coup ? Deux ? La mer ? Ouais, on va essayer. Je pense que oui, hein, au final. Mais bon. Juste que je rejoigne. Les deux routes, ici par exemple, hop, voilà. Et faire le pêche. Ah non, je peux pas. Non, non, c'est donc pas ça qu'il faut que je fasse. Ça, c'est quoi ? Bâtiment commercial, entrepôt. Bah si, ça, c'est un entrepôt aussi, non ? Bon, c'est un dépôt. Il me faut un entrepôt. Pêcherie, puissance, quartier d'ouvriers, centre-ville, casino. Outils, production, dépôt, route. Non mais je peux pas construire d'autres entrepôts en fait. Je suis obligé de... C'est trop bizarre. Il y a la mer noire jusque là, je vais pas me construire une pêcherie en plein milieu de la mer noire, ça serait débile. Enfin, je pense, non ? Je vais essayer mais ça sert à rien quoi. Mais non, ça sert à rien, c'est pas ce que je dis. C'est bien ce que je dis.
Ils vont construire d'autres, mais ça sert à rien s'il y a des... Je vais faire ce qu'ils disent, parce que de toute façon, je peux pas construire de l'autre côté. Mais je trouve hier, que ça ma sert femme pas a fait des chose. Steaks. Ça faisait si longtemps qu'on n'avait pas mangé de la bonne viande. Ouais, c'est ça. Le scan du secteur enregistre un arc non identifié. Transfert des coordonnées en cours. Yana Rodriguez d'Eden Initiative, nous avons reçu un message de détresse. On est venu prêter main forte. Nous vous attendons au plus vite pour coordonner les opérations de sauvetage. C'est les écolos, ils sont là. Je ne suis pas surpris de voir Eden Initiative immédiatement sur place. Yana Rodriguez profite systématiquement de ces événements tragiques pour jouer les âmes charitables. Oui, enfin, en même temps, s'ils nous aident, moi ça me va, tu vois. Pas me plaindre. Hein. Il est où mon bateau là? Il est là? Vas-y, viens là, gros. Voilà, gros. Enrayez la mer noire. Construisez, conduisez votre navire à l'arc. Vas-y, l'ami. Il va nous falloir collaborer pour réussir à faire quelque chose ici. Je vais vous La plateforme pétrolière en feu est notre principal objectif. Mm-hmm. Pendant que je m'occupe du matériel d'extinction, chargez-vous des renforts. Et vite. Ok. Quartier d'ouvriers, construisez les bâtiments quartiers. Ah, il faut que je construise 10 quartiers d'ouvriers de plus. Holy moly. Ok, bah écoute, allons-y. Où est-ce que je vais les foutre? Bah, je vais continuer mon expansion par là. Je vais m'en faire une ligne là. 2, 3, 4, 5. Matériaux de construction insuffisants! Ah non! Merde, j'avais pas prévu ça. Construis-moi des routes pour relier tout ça. Hop. Matériaux insuffisants. Mais en même temps, c'est normal, j'ai tout viré là. Voilà. Reviens ici. Non, c'est pas lui. C'est lui. C'est ça, hein, le marteau de construction. Une bulle de construction, ça doit être ça qui manque. Ça tombe bien parce que j'en ai plein. Dis donc. Hop, les 40, on va les remettre là. Voilà, très bien. Normalement, on devrait avoir assez pour construire, du coup. Écho, quartier d'ouvrier. Yep. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Les premiers immigrants sont déjà arrivés? Parfait. Vérifie voilà. S'il y a des volontaires pour la mission. Tac, tac, tac. Très bien. Sélectionnez un entrepôt en surbrillance pour entrer en contact avec le résident. Les experts en contrôle des catastrophes ont été briefés et vous attendent dans l'entrepôt. Conduisez immédiatement ces hommes auprès de Mademoiselle Rodriguez. Ok. Tout comme ça. Ok. Très bien. Hop, j'arrive. Je pense que c'est ça qu'il faut que je fasse. Ok. Tout va bien? Oui, tout va bien. Je vais juste... De votre entrepôt à l'arc, Yana. Je rêve d'un bon cognac après toutes ces émotions. Distillerie. Ah oui, mais parce qu'il veut que je fasse... Bon, suivant, on peut faire des distilleries, hein. Moi ça me gêne pas, la mini. C'est les besoins en boisson. C'est pas une distillerie ça. Une boisson de thé. Rien à voir. Enfin. Tu me fais là. L'ami. Avertissement. Baisse de la fertilité due à la pollution. Oui, j'imagine. Peu importe. Ok. Faisons des routes pour rejoindre tout ça. Hop. Je sais pas si je dois rejoindre les autres. Je sais pas. On verra bien, il me le dira au pire. Walter, un ouvrier, vous rappelle quoi? Mais enfin. Comment je fais? Ah! Attends.
Docteur, un ouvrier rappelle la mission pénurie de bâtiment de production de distillerie. Cliquez avec le bouton gauche pour construire des zones de production individuelles pour ce bâtiment. Oui, oui, ok, très bien. Mais j'en ai déjà 2 sur 2, c'est bon. 1 sur 3, distillerie. Ah, il faut que j'en fasse plus en fait. C'est ça qu'il est en train de me dire. Je peux toujours en faire une là. Ça va servir à grand chose. Hop. Non, c'est pas ça qu'il voulait. Il veut vraiment que je fasse 2 autres distilleries en fait. Genre pour de vrai. Eh l'ami! Je peux pas. J'en ai plus. Mais pourquoi avant j'avais d'autres trucs là? Pourquoi je peux plus? Ah, parce que c'est là, je crois. Oui, c'est ça. Eh ben écoute, on va s'en faire une autre. Notre ici voilà. Avec 2 ainsi que 2 les gens comme vous ne sont voilà. Pas si serviables d'habitude, merci. Parfait. Bon, maintenant il faut que je fasse ça là. Bon, je fais conduire les experts dans le domaine de la lutte contre les incendies de votre entrepôt à l'Arc de Yana. Ils doivent être dans l'entrepôt, j'imagine, mais pourquoi sont là, les experts? Ils sont pas là. Je suis bien à l'entrepôt, là. Objet. Ah, c'est des objets. Ok, d'accord, c'est des objets. Les experts en incendie sont considérés comme des objets dans ce jeu. Tout va bien. Déjà de retour? Tout est normal. Vous avez terminé? Yep. J'ai reçu des messages alarmants en provenance de la plateforme pétrolière. L'incendie se propage et il faut que vous interveniez. Oui, mais c'est ce que j'ai envie de faire, gros. Comment, mais faites ce qu'il faut. Utilisez votre aéroglisseur pour rejoindre la plateforme pétrolière. Ça va être ça. Vite! Sauvons-les! Matériel d'extinction d'incendie calibré. Système de désignation de cible en ligne. Veuillez entrer les coordonnées de la cible et lancer la procédure de lutte incendie. Sélectionnez les plateformes pétrolières en flammes comme destination. Ah, c'est ça? Ouais. Vas-y, gros. Je peux le faire. Parfait. Comment avez-vous circonscrit l'incendie? Vous avez utilisé la technologie Eden Initiative. Ah, évidemment. Le plus important, c'est le résultat. La marée noire gagne du terrain. Il nous faut évaluer l'étendue des dégâts pour prendre les mesures qui s'imposent. Ouais, ok, très bien. Prélever un échantillon d'eau près de la plage. Avec quoi je vais faire ça? Prélever un échantillon d'eau près de la plateforme pétrolière aussi, c'est ça? Je crois. Pour prélever un échantillon d'eau de la mer. Non? Le journal des objectifs de mission a été mis à jour. Donc ça va faire maintenant près de la plage. On va venir là, on va prélever un petit peu tout ça. Hop. Le journal des objectifs de mission a été mis à jour. Et maintenant, on rapporte tout ça aux experts. Ils vont vous nous dire ce qui se passe. Parce que vous avez accompli la quête. C'est ce que je craignais. Les niveaux sont catastrophiques. Les capacités régénératrices de la nature ne peuvent faire face à une catastrophe de cette ampleur. Et nos ressources en déploiement non plus. Il me faut des spécialistes en catastrophe pétrolière. Pourriez-vous les héberger sur votre île et préparer leur arrivée? Bien sûr. Bien sûr, je peux faire ça. Oh, j'ai bien construit une idée, dis donc. Oh, fallait pas. Ah oui, il veut aussi une salle de concert, quoi. Ça va, les mecs, les experts en mode. Moi, je vais pas habiter quelque part s'il n'y a pas une petite salle de concert et du thé, hein. Parce que sinon, c'est mort, je sauve pas la planète. Hein. Quelle bande de cons. Bon, alors, du coup, on va construire tout ça. C'était où déjà? C'était Echo, je crois. Ouais, c'est ça, mais alors il me faut quoi pour accéder à ton île? Il vous faut 144 ouvriers éco, actuellement 80. Là, il faut que je fasse d'autres. Naturellement, c'est dommage. C'est quoi? Le conseil d'administration va être ravi.
Ok, bien. Oh bah. Je suis d'accord. Je suis tellement d'accord. Du coup, il m'en faut d'autres. Parce que là, ça va pas du tout. Alors, on va en faire plein. Hop. Voilà, 80. Il m'en fallait 144. Je crois normalement avec ça, ça devrait être bon. J'imagine. Faire des routes pour relier tout ça. Hop. Voilà, très bien. Excellent. Et maintenant, j'en ai combien ? J'en ai combien ? 90. Mais ça va augmenter au fur et à mesure, non ? Logiquement. Oui, ça monte là. 98, 100. Allez, tu peux le faire. Tu peux le faire. Confiance en toi. Ah non, ça m'en a rajouté que 10. Ah non, ça va, ça monte. Ouvrier, quoi. Ok, c'est bon, continue là. Monte, mon ami. Mais est-ce que... C'est formidable ici, non ? La vie peut être si belle. La vie est tellement belle. Ok, garçon. Le sol est bien trop pollué. Il nous faut des plantations de thé jusqu'à ce que l'île se remette de cette catastrophe. Oui. Et davantage de plantations. Plantation de thé 1 sur 3. Ah, il faut que j'en fasse 3 du coup. Très bien. Ça suffisait pas du tout. Bah, écoute, on va en faire d'autres, si c'est ce que tu veux, l'ami. On va en faire d'autres ici. Et puis ici. Hop, voilà. Très bien. Maintenant, on va juste mettre des routes. Des routes. Let's roll in. The road in. Hop. On va faire ça comme ça. Je peux pas les mettre là. Ah non. Il faut que ce soit collé, non ? Ou c'est moi ? Ok. Ok, bon, pourquoi pas. Si ça marche comme ça, tant mieux. Ah, et lui, il est mal placé, c'est ça. Bon, eh bien, écoute, désolé, l'ami. Mode démolition. Boum. On va faire un autre. En attendant que l'autre place correctement. On va foutre ici. Hop. Avec des petites plantations de thé. Ici, ici, ici. C'est une sacrée aventure, mais je crois qu'on y arrivera. Magnifique. C'est magnifique. Hop, on relie tout ça. Et maintenant, on va pouvoir construire une salle de concert. Génial. On va mettre ici. Vous voilà. Êtes une véritable révélation pour Eden Initiative. Ah, je sais, je sais. De mon plein gré. Les premiers immigrants sont déjà arrivés ? Parfait. Vérifiez s'il y a des volontaires pour la mission. Les experts pétroliers sont prêts et attendent de quitter votre île pour rejoindre Mademoiselle Rodriguez. Rodriguez. Ok, très bien. Conduisez les bibliothécaires. Mais c'est des bibliothécaires. C'est des bibliothécaires. Les biotechniciens. On va lire. Bonhomme. On disait les biotechniciens de votre nom. Très bien, garçon. Faisons comme ça, j'ai dit. Allez, gros. T'as plein de trucs à faire. T'arrêtes-t-on pas là ? Vous souriez parce que vous avez accompli la quête ? Oui. Le matériel spécial est enfin arrivé. Nous allons pouvoir l'utiliser pour pomper le pétrole à la surface de l'eau. Ok. Je vous de la cote. Et qui est le matériel spécial à bord de votre navire ? Oui, non, c'est pas ça en fait. C'est pas lui. Ouais, c'est lui. Vas-y. Ne perds pas de temps. Des petites mouettes sont en train de mourir sous le flot de la marée noire. Dépêche-toi. Et. Processus de nettoyage lancé. Commande automatique du navire activée. Avertissement. Oule. Ce processus ne peut être annulé. Vas-y. Libère-moi de ce joug.
du joug du pétrole. Pétrole. Est-ce que j'ai d'autres trucs à faire en attendant? Absolument pas. Ça va mettre un petit temps, mais bon. Ça va, ça va. En attendant, je vais voir un peu. Bon, ça, c'est à cause du... de la marée noire, mais même sans, je pense que je suis pas très bien. Je me demande si je vais pas pouvoir construire. Je devrais pas construire des petites éoliennes ou quoi. C'est pas débile ça. Produit de l'énergie. Et oui. Je vais les mettre. Et bah je vais relier tout ça. Ça dirait que... Hop. Très bien. Ouais, il y a sûrement quelqu'un qui va me demander ça après. C'est là, c'est pas pour rien. Réduit la probabilité d'incendie dans les zones de courant. Pourquoi pas. Du coup, peut-être pouvoir tirer mon truc à charbon, je sais pas quoi, qu'il y avait avant, non? Maybe. Maybe not. Ou non. Not me. Ah, t'as presque fini, les mines. T'as nettoyé tout ça déjà, c'est pas mal. Il va falloir que tu nettoies tout ça, mais. C'est vieux vert dégueulasse. Ah bah, le pétrole! Vive les éoliennes! Mis dans le besoin. Dès qu'il a fini, je vais... Si quelqu'un mérite les remerciements et le respect d'Eden Initiative, c'est bien vous. Yes. Nous pourrions verrer. Elle vient d'échanger deux coups de la plage. Je vais attendre 10 secondes. D'abord, je vais ça. Ça a l'air intéressant, j'aime bien les petites quêtes secondaires. On vous donne des thunes. Oh, merci. Oh, je suis un bénéfice. On vient de recevoir un message. Un couple de dauphins est pris au piège de la marée noire. On doit les Mon évacuer Dieu. Avant qu'ils n'étouffent. Les dauphins. Ah mais c'est eux les dauphins. Ok, ouais. Très bien. Très bien, très bien. Mais avant de faire ça, on va... Attends. Ah non, j'ai plus le truc là. Du coup. Je prélève un échantillon d'eau, ça je peux le faire avec lui, je crois. C'est ça hein, qu'il faut que je fasse. Elle vient acheter son dos près de la plage. Ah non, près de la plage. Vous souriez parce que vous avez accompli la quête? Oui. Entre vous et moi, Eden Initiative aurait bien besoin d'autres gens comme vous. Ouais, je sais. Le journal des objectifs de mission a été mis à jour. Okay, vous souriez parce que vous avez accompli la quête? Oui. Waouh, incroyable. Une analyse plus complète des prélèvements devra le confirmer, mais ça s'annonce plutôt bien. L'eau ne présente que d'infimes résidus. Vous venez de prendre de la valeur pour la compagnie. Mais oui, non mais t'inquiète, moi je suis un boss, tu sais quoi. Ouais, les dauphins sont contents, hey, les baleines d'équipe. Sont revenues. La situation aurait viré au cauchemar sans vous. Alors, au nom d'Eden Initiative, merci. C'est tout? Tu me donnes rien? Enfin, merci, moi je ça me va, hein. Un petit remerciement pour avoir sauvé une île. Et enlever tout le pétrole qui vaut tout, je suis d'accord avec Mademoiselle Rodriguez. Vous avez limité les pertes de la compagnie. La compagnie aura toujours besoin de gens comme vous. Eh oui. Le connard de Thorn. Suite à la perte du site 13, il va nous falloir revoir notre stratégie. On peut toujours atteindre les objectifs définis dans le plan biennal, mais il nous faut commencer à reconstruire immédiatement. Et... Avertissement. Activité anormale dans ce secteur. Origine, inconnue. Signal codé. Ça, c'est l'autre qui va foutre la merde. C'est les oiseaux, ça. Yes. Et c'est une victoire de plus pour Youp. Il a sauvé l'île du pétrole. Nice. C'est nice, c'est nice. Bon, mais très bien.
Bah écoutez, sur ce, je vais m'arrêter et je vais passer à la mission numéro 3 pour le quatrième épisode. En tout cas, je suis content, je suis un écologiste en furie. Sauver tout le monde et tout, c'est cool. Ça, j'aime. Et je vous dis à la prochaine pour la suite. Tchuss!